Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous et personne d'autre. Sauf tous ceux qui veulent venir nous rejoindre. Vous êtes le bienvenu. Parce que c'est ouvert à tous. Tous ceux qui comprennent cette belle langue de manière et qui veulent savoir ce qui s'en vient, ce qui se passe, ce qui va se passer. Et tout ça dans notre belle langue, chers amis, sans l'endoctrinement et la manipulation. Ça, c'est une chose qu'on retrouve d'une façon presque générale dans tous les médias francophones. L'endoctrinement et la propagande. Chers amis, c'est le 24 juin 2019. Bonne Saint-Jean, mes compatriotes québécois et québécoises. Chaque nation a une fête nationale. Chaque nation a une fête de l'indépendance. Nous, on n'a pas l'indépendance, mais il ne faut pas oublier que le Canada nous appartient. On était là en bien plus grand nombre. On nous l'a volé. Donc, comme on n'est plus chez nous au Canada, ben, on est chez nous au Québec, même si ce n'est pas officiellement un pays, ça demeure notre terre commune, où on est regroupé, où on est rattaché à une histoire glorieuse et valeureuse dans de grand-père, arrière-grand-père, grand-mère, arrière-grand-mère, qui se sont sacrifiés pendant ce temps-là. Chez Walmart, on aura un rappel pour des bouteilles d'eau dans lesquelles on a trouvé, eh oui, une teneur élevée en arsenic toxique. On va aller voir ça. Des tests de laboratoire indépendants ont révélé des taux élevés d'arsenic de métal toxique dans deux marques de bouteilles d'eau en bouteilles vendues dans les épiceries et les magasins à grande surface. Aucun rappel de la FDA a compté de vendredi, ou un appel plutôt, on dit aucun, je pense qu'il y a une petite erreur, on va voir l'original des fois, là. No recall. Ah, depuis, on a appris la nouvelle et jusqu'à vendredi, on n'avait pas encore procédé à un rappel de ces produits-là, assez inquiétant. Les deux marques sont Peniafield et Starkey Spring Water, selon le rapport. Target, et Walmart vendent ces deux bouteilles d'eau qui appartiennent à Whole Foods. Keurig, Dr. Pepper, a annoncé vendredi le rappel volontaire de l'eau de source minérale sans arôme de Peniafield en raison de la présence de niveaux violents d'arsenic. Lorsqu'il est présent dans le régime alimentaire à des niveaux très élevés, bien supérieurs à ceux détectés dans des échantillons récents de Peniafield, il est associé à de nombreuses maladies chroniques. Un laboratoire indépendant a découvert des niveaux d'arsenic supérieurs à la limite fixée par la FDA, Food and Drug Administration, de 10 parties par milliard dans l'eau importée du Mexique. Les consommateurs peuvent renvoyer l'eau chez le détaillant pour un remboursement complet. Fin 2016, début 2017, Consumer Reports a testé Starkey Water, ce qu'un dirigeant de Whole Foods a qualifié d'incroyablement vierge et a trouvé des niveaux d'arsenic supérieurs à 10 particules par million. Il n'y a pas de place pour l'arsenic dans les eaux en bouteille, a déclaré Caroline Cox, scientifique senior au CEH. Les entreprises d'eau embouteillée doivent prendre les mesures nécessaires pour éliminer ce métal toxique de leurs produits. Si les détaillants devaient cesser de les vendre maintenant, tandis que ces conditions ne sont pas remplies, nous recommandons aux consommateurs d'éviter d'acheter les produits Starkey et Dr. Pepper Peniafield. De Whole Foods. La guerre de l'eau ne fait que commencer, mais pourrait dégénérer en conflit mondial. Soyez prêts, achetez de la bonne eau ou achetez un bon filtre pour votre eau de robinet. C'est vrai que on se dirige vers une crise de l'eau qui est annoncée depuis longtemps, mais qui n'arrive pas. Est-ce qu'elle va arriver? Je ne suis pas convaincu non plus. Mais pour l'instant, en tout cas, faites attention à ce que vous buvez, parce que vraiment, c'est à se demander si on devrait vraiment, vraiment faire confiance à l'eau en bouteille. Je pense que vous avez autant de jugement que n'importe qui pour décider si vous devez en acheter ou en boire, mais en tout cas, celle-là, entre autres, semble très dangereuse.